Bravo! When you come, Madame Kasa Kakra, and when you come in the wind, Tim Kakra, Men Kasapi, Dame Padamaka, Bakan's Bravoca Kran, and Miriam Kan Fancy. At long last, the battle. Gold Coast Event President. Est-ce que vous pouvez au moins vous présenter à la communauté ghanéenne? Donc, je m'appelle Lydia Osei-Kwasi. Donc, j'ai 26 ans. Je dois parler aujourd'hui de mon parcours, scolaire et professionnel. Donc, j'ai un master en commerce international, spécialisation marketing. Et actuellement, je suis responsable commercial dans une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite. Miss Lydia Osei-Kwasi, je peux vous appeler par votre nom comme ça ou moi? Oui, vous pouvez dire Lydia tout simplement. C'est bon, Lydia, oui. Moi je vous appelle Black Star en France. Pourquoi? Parce que nous, GhanaInFrance.com, tous les gagnants qui font des bonnes choses, comme vous venez de me dire. Moi, je suis par terre là, de voir une franco-gagnante en France qui a tous ces diplômes-là. Pourquoi Gold Coast Event? Tout d'abord, pourquoi Gold Coast? Gold Coast, c'est une association qui est ciblée sur l'événementiel. Donc ça, c'est son premier but. Et à l'avenir, pourquoi pas se lancer dans tout ce qui est organisation. J'ai voulu créer Gold Coast pour toucher la communauté ghanéenne, car aujourd'hui, si vous voulez, toutes les soirées, tous les grands événements qui sont organisés par la communauté ghanéenne sont des événements qui sont organisés par nos parents, les personnes âgées, quoi. Et si vous voulez, nous, on n'a pas notre place. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est l'ancienne génération qui s'occupe de tout ça, alors que nous, on a créé une nouvelle génération. Donc, nouvelle génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes Ghanéens qui sont en France, qui ont fait des études comme moi, et qui ont également la possibilité de faire ces choses-là. Et donc, Gold Coast est là pour que nous puissions nous réunir et faire quelque chose pour la communauté ghanéenne. Et donc, de ce fait, Gold Coast aujourd'hui fait son premier événement qui aura lieu le 25 décembre, donc Miss Ghana 2011. Donc là, ça serait une première occasion pour nous réunir, pour montrer que nous sommes nombreux en France à être là et que nous sommes capables de faire quelque chose. Parce qu'on entend souvent dire « oui, j'ai pas envie de me lancer dans une association ghanéenne ». Pourquoi ? Parce que quand il commence quelque chose, il termine jamais. Et donc là, de ce fait, moi j'ai envie de leur montrer le contraire, de leur dire que oui, nous les jeunes, on est capable de commencer quelque chose, de le terminer et de faire quelque chose qui dure dans le temps, que ça ne soit pas quelque chose de ponctuel. Gold Coast Events. Lydia Osei-Kwasi. Donc, d'après tout ce que vous venez de nous expliquer, ça veut dire que vous allez mettre nos parents de côté, ou c'est quoi Gold Coast Event? C'est une révolution ou quoi? C'est quoi? Non, c'est pas mettre les parents à côté. En fait, si vous voulez, les parents, ils nous ont enseigné, ils nous ont appris à faire les choses, etc. Mais nous, aujourd'hui, on aimerait que nos parents viennent et s'assoient, et que ce soit nous qui organisons les choses. Là, aujourd'hui, si vous voulez, à chaque fois, par exemple, pour le 6 mars, c'est tout le temps les parents, les anciens qui organisent ça. Et nous, on est là, on est dans l'ambiance, on passe, etc. Alors que nous aussi, on pourrait apporter quelque chose. Donc, ça veut dire que vous voulez, aujourd'hui, vous aimeriez bien que nos parents, comme ils sont venus trouver une place ici en France pour nous, vous aimeriez bien que les choses, les événements comme le 6 mars et tout ça, que Gold Coast Event ou bien les jeunes organisent et eux ils viennent, ils s'assoient, ils regardent
Et puis ils prennent le plaisir et puis ils s'en vont pour se reposer à la maison. C'est bien ce que vous voulez dire. Et pour les jeunes, c'est quoi le but? Les jeunes, qu'est-ce que vous avez pour les jeunes aussi? Le but également de ces associations, c'est de faire découvrir la culture ghanéenne. Mmh. Il y a beaucoup de jeunes ghanéens qui sont nés en France qui ne connaissent pas la culture ghanéenne. Comme récemment, j'ai vu un reportage que vous avez fait sur les Glumos, qui sont de jeunes talentueux rappeurs ghanéens. Vous parlez du reportage que GhanaInfo.com a fait? Exactement. Mmh. Et donc, sur ce reportage, comme disaient les Glumos, oui, vous pouvez voir énormément de jeunes qui sont capables de vous citer des artistes de d'autres origines comme ivoiriens ou congolais, mais ils sont incapables de vous citer, par exemple, des artistes ghanéens. Ils connaissent les artistes du moment, mais des gens qui ont évolué au niveau artistique et culturel, ils ne seront pas capables de vous en parler. Et ça va de soi également pour l'histoire quoi, du Ghana. L'histoire du Ghana. Voilà. Vous êtes né en France. Exact. Vous vous sentez mieux en tant que Française ou Ghanéenne? C'est difficile de répondre à cette question, mais je dirais que je suis 50-50. 50-50. Voilà. Comme Enoch Effa a dit. je ne savais pas qu'il avait dit ça. Enoch Effa, le champion du monde en boxe française, a dit que on ne peut pas nier notre côté ghanéen, mm-hmm. ni le côté français. Amla, d'après tout ce que vous venez de dire, moi je pense que vous êtes venu, ça c'est mon idée, hein. Oui, oui, vous, Gold Coast Event est là pour les jeunes ghanéens de France, les franco-ghanéens de France, les jeunes. Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer les jeunes vers ce que vous allez faire, vers Gold Coast Event? Parce que pour moi, si Gold Coast Event va exister, ça sera à travers les jeunes, les franco-ghanéens nés en France. Et là, actuellement, si on compte les ghanéennes, si on compte les ghanéennes de France, c'est clair que les jeunes nés ici en France sont majorité. Qu'est-ce que vous faites pour attraper ou bien pour toucher ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Ce qu'on va faire de différent, je dirais qu'on va essayer de savoir, de recenser les jeunes ghanéens qui sont en France. Parce qu'aujourd'hui, pour certains ghanéens, la communauté ghanéenne s'arrête à l'Île-de-France. À savoir qu'en France, il n'y a pas que l'Île-de-France, il y a les différents départements de France. Donc, il y a d'autres ghanéens. Donc, déjà, dans un premier temps, faire un recensement de la communauté jeune ghanéenne en France. Ensuite, comment on va faire pour les toucher par le biais d'un site qui sera très prochainement en ligne. Là, aujourd'hui, le média, entre guillemets, qu'on utilise, c'est Facebook. Donc là, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il y a une affiche qui circule comme quoi il va y avoir Miss France, l'élection de Miss France, de Miss Ghana France 2011. Donc là, dans un premier temps, c'est un événement qui va toucher énormément les jeunes parce que bon, bah, j'ai appris qu'en 2008, il y a eu une Miss Ghana France. J'étais même pas au courant, c'est en discutant avec d'autres personnes que j'ai su qu'il y avait Miss Ghana France. Alors que j'étais même pas au courant. Et la dernière en date, elle date de 2008. Donc vous voyez, là, ils ont commencé quelque chose, on n'a pas terminé. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu remettre en place. Et je pense que c'est un événement qui va toucher énormément de jeunes, comme Miss France en France, qui touche énormément de Français chaque année. Et je pense que c'est, entre guillemets, pas un coup médiatique, mais c'est un bon coup médiatique pour lancer Gold Coast Event, quoi. Donc, Miss Lydia, est-ce que Gold Coast Event s'arrête qu'à
Miss Ghana in France ou vous avez d'autres projets envisagés? Good Coast Event, non, ça ne s'arrête pas juste à Miss Ghana in France. Mais on a d'autres projets pour l'avenir. Tout d'abord, bon, bah, on commence par ce premier événement. Et ensuite, on enchaînera, je pense, c'est pas je pense, mais j'aimerais sur pour le 6 mars, par exemple, pour le jour de l'indépendance du Ghana. Et puis après, faire aussi découvrir les jeunes talents qui se trouvent en France. C'est-à-dire qui sont, par exemple, je sais pas moi, comme les Grumos. Vous avez vu, je fais de la promo pour les Grumos. Par exemple, pour des jeunes talents qui se trouvent dans le sud de la France, qui sont des danseurs gagnants, qui ont également ouvert leur association de danse. Vous avez des artistes peintres qui se trouvent dans le nord de la France, qui sont ghanéens, mais que la communauté ghanéenne ne connaît pas forcément. Donc Gold Coast ne s'arrête pas seulement à Miss France Ghana. Il y aura d'autres projets, mais je ne peux pas vous dévoiler tout comme ça. Mais vous me parlez de le 6 mars, le jour de l'indépendance de Ghana. Et ça, il y a une association qui s'en occupe déjà. Est-ce que vous avez envisagé d'en parler avec eux ou bien vous allez faire et eux aussi vont faire? Parce que là, nous, on a besoin de l'unité. Hein. GhanaInFrance.com est là pour l'unification des gagnants de France. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Non, je ne dis pas que chacun va faire quelque chose de son côté. Au contraire, moi, aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de contacter les autres associations ghanéennes pour nous présenter, pour leur montrer qu'on est présent. Donc, quand vous parlez, vous dites « je ». Quand Obama parle, il dit « je », mais il ne convainc pas tout seul. Est-ce que vous avez des gens derrière vous? Bien sûr que j'ai des gens derrière moi. Il n'y a pas que moi dans l'association. On est une équipe soudée et très solidaire. Donc, je ne fais pas les choses toute seule. Je ne prends pas les décisions toute seule. Chaque personne de l'association a ses tâches et donc voilà quoi, je suis pas toute seule. Donc Gold Coast Event, c'est pas non seulement pour l'équipe qui est derrière, mais pour tous les jeunes ghanéens qui sont en France et pour toute la communauté ghanéenne. Donc là, comme on dit en ghanéen, Mpenyefo, moi je suis à Maïsé Afifi, et si Yenso Sa, et je suis à moi à Mamosé Atutu. Oh,